Salut les internautes, Iconic People était à l'avant-première du nouveau film de Xavier Duringer, Paradise Beach. Je suis Xavier Duringer, le réalisateur et scénariste de Paradise Beach, un film qui sort le 20 février. 8 ans après la conquête et de nombreuses séries TV, le réalisateur revient au cinéma avec un film de gangster. Salut, c'est Seth Gecko pour l'avant-première du film Paradise Beach de Xavier Duringer. Plutôt que de s'entourer d'acteurs confirmés, Xavier Duringer choisit de s'entourer de rappeurs pour incarner les voyous de son film. Ici, t'es pas chez toi, qu'est-ce que tu veux ? J'aime pas qu'on vienne bouffer dans ma gamelle ou dans celle de mes amis. T'as compris ? J'ai envie, tu me menaces. Paradise Beach, c'est un peu l'héritage de Chok D, sorti en 2005, où l'intrigue se déroulait déjà en Thaïlande, et de J'irai au paradis car l'enfer c'est ici, sorti en 97, le premier film de gangster du réalisateur. J'ai l'impression d'être acculé contre un mur, j'aime pas ça, regarde. Paradise Beach ne renouvelle pas le genre, néanmoins ça reste un film d'action made in France, où les gangsters sont incarnés par des rappeurs, ce qui n'a pas été sans créer de problème pour le réalisateur. Super casting, on a 6 rappeurs, on a les acteurs, on a fait un film un peu contre-culture, on a tourné à Patong en Thaïlande, on se fait allumer comme des perdreaux parce que forcément les rappeurs, leur manière de parler, de bouger, de vivre, ça dérange un peu certaines institutions. Et c'est vrai que moi, je lutte pour la pluriculturalité dans notre pays, pour la richesse de chacun. Faut aller au cinéma le voir. Hein. Salut, Iconic People. Voilà les internautes, vous savez tout presque sur Paradise Beach. On attend vos réactions. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne.